Lui, il pouvait passer 2 mois sans m'écrire et après il retourne. C'est comme ça. Et maintenant, ça fait 2 mois qu'on ne se parle pas encore et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Tu dis, tu le connais depuis quand? Tout petit, peut-être 15 ans. Coucou, mes Mathilde Love, j'espère que vous allez bien. J'espère que la famille se porte bien de votre côté. Quant à moi, je me porte super bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo de la Cour des Grands. Comme vous connaissez le concept, on va regarder une vidéo ensemble et vous allez me dire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vous dis ce que j'en pense. Donc, sans plus tarder, regardons cette vidéo. N'oubliez pas de faire ceci. Allô? Allô? Oui. Bonjour ma coach. Oui. Oui, ça fait longtemps que je te suis, mais tu n'as jamais pris. Oui. Oui, j'ai un petit copain. Depuis qu'il était tout petit, j'étais avec lui. Mais j'ai voyagé maintenant, je ne suis pas de mon pays. Et après, lui, il pouvait passer 2 mois sans m'écrire. Et après, il retourne. C'est comme ça. Et maintenant, ça fait 2 mois qu'on ne se parle pas encore. Et je ne sais pas quoi faire. Je comprends pas. Tu dis, tu le connais depuis quand? Tout petit, peut-être 15 ans. Tu le connais Et depuis que tu maintenant, as 15 ans. j'ai 27 ans. Au lieu que tu as 27 ans. Si. Donc ça fait tu l'as connu, tu as 27 ans, donc ça fait genre 13 ans comme ça, ou même 12 ans que vous êtes ensemble. Oui. OK. Maintenant, Maintenant, j'ai tu dis, laissé il a le fait pays. quoi? Il pouvait passer 2 mois sans me parler. Oui. Pour rien. Ah, ça qui t'aime plus, ma chérie. Garçon qui fait 2 mois sans te parler, alors qu'il n'y a rien, ça qui n'est plus amoureux. Donc, en lui, tu le vois, tu vois ton année collège et tout, c'est vrai, mais il faut que tu comprennes que c'est, vous avez grandi, les choses ont changé. C'est plus comme avant, quand vous étiez petit-petit, à l'école. Il t'aime plus. Il faut passer à autre chose, ma chérie. Il n'y a plus d'amour. Garçon qui fait 2 mois sans t'appeler, il t'aime plus. Ça, là, il n'y a rien à faire. Donc, il faut passer à autre chose. Tu as compris? Oui, merci, ma De rien. coach. Wow, 2 mois sans parler à sa copine. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Hein. Comment tu peux passer même 2 mois, même une semaine? C'est à beaucoup. Une semaine sans avoir de nouvelles, c'est beaucoup. Sauf si c'est dans une condition où elle ne peut pas avoir de téléphone et tout. Là, ça se comprend. Mais si elle est disponible, elle est joignable et tout, et tout, mais que tu ne fais pas signe, ça veut dire qu'il y a problème. Il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, mieux on se sépare et tout le monde est tranquille dans sa tête. C'est pour ça que je dis toujours l'amour de jeunesse. Sur 400%, il y a au moins 80% qui ne fonctionnent pas. À 80%, les amours de jeunesse, là. Ça va toujours définir par j'ai finalement compris ce que je voulais, j'ai finalement trouvé ce qui me convient. D'ailleurs, bref, à un moment, chacun va commencer à se rendre compte que c'était les enfantillages. C'était juste les enfantillages. Dis-moi ce que vous en pensez là-bas des commentaires. Je vous dis, c'était juste une petite histoire.